Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale casting. Vous allez me dire pourquoi il fait une vidéo spéciale casting. Je vous explique. Aujourd'hui, la plupart des gens savent ma situation. Je suis au chômage comme 3 millions de personnes en France. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, il faut bien s'orienter. Donc, ce matin, en faisant des recherches sur Internet, j'ai vu qu'il y avait plein de castings. Donc, vu que j'ai pas d'expérience là-dedans, je me suis dit, bon, allez, on va voir ce que ça donne. Donc, je fais mon casting devant vous. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors, bonjour. C'est un casting que il faut savoir où on en est. Bon, alors, je m'appelle Serge, j'ai 42 ans. Ah putain, vache, putain, il est beau celui-là. Bon, j'ai 42 ans, je fais 1,73 m pour 68 kilos ou 69 kilos, ça dépend des jours. Bah oui, quand tu fais caca, tu fais un kilo de moins, hein, donc et bon, voilà quoi. C'est vrai quoi. Bon alors, il faut se présenter, il faut présenter la personne qu'on est. Alors bon, avant de me présenter, moi je vais quand même vous dire, voilà, moi les stars, ils sont en principe, ils sont assez difficiles. Moi je vais être difficile d'entrer. Voilà, comme ça au moins il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Alors moi c'est simple. Moi j'aimerais tourner dans un film, ou alors je pète la gueule à tout le monde. Je me tape, voilà les meufs pendant le film. Hein. Et puis qu'à la fin, bah, je me tape toutes les meufs en même temps, et puis tout le monde est mort, et puis moi je suis le seul mec sur la planète avec voilà les filles. Voilà. Hein. Alors, le film que je vois, c'est style un peu genre, je sais pas, t'as vu La Ligne verte. Voilà. Ça, c'est un film d'action où il y a voilà la bagarre, où tout le monde à la fin il crève, et puis voilà, ça, c'est un film qui me plaît bien. Voilà. Hein, La Ligne verte. Voilà. Donc, alors pour me présenter, il faut que je rentre dans des rôles pour vous montrer ce qu'on peut faire, ce que je peux éventuellement faire, vous prouver la personne que je suis. Donc je vais m'intégrer dans d'autres personnages. Voilà. Alors on va commencer par un personnage très simple, qui est très naturel chez moi, et qui est le mec de la plage. Ça va, il faut bien se mettre en condition. C'est vrai que si tu veux que je me vende, comment tu veux que je passe? Bon, voilà. Alors là, ça, c'est le mec de la plage. Un mec de la plage, il est quoi? Il regarde les meufs. Voilà. Et le problème qu'il y a, c'est que je fais des personnages qui vont à la plage, mais le problème, c'est que j'ai pas de test, j'ai rien à dire. Donc voilà, ça, c'est ma gueule. T'imagines que tu es à la plage et puis je suis en train de regarder que les culs des meufs. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Quand t'es à la plage, tu regardes les culs des meufs. Je veux pas regarder les culs des mecs, hein. Bon. Ensuite, je peux te la jouer à la parisienne. Oh maman, comment tu vas? Il manque la baguette là, mais bon, allez, ça va quoi. Après, je peux te la jouer aussi un peu à la parisienne abrutie. Ou je peux te la jouer à la parisienne, mais complètement abrutie. Ça, c'est une façon de dire à la parisienne. Après, je peux te la jouer à la plus. Ça va, chérie. Tu sais, hier soir, c'était bon. Hein. Ça t'a plu, j'espère. Alors, ça t'a plu hier soir? Eh? Parce que moi aussi, ça m'a plu. Hein. À la main gauche, elle était bien. Hein. Donc ça, c'est un des nombreux personnages qu'on peut jouer quand on fait du cinéma éventuel. Maintenant, je peux jouer aussi le racailleux. Qu'est-ce que t'es? Qui est-ce qui... Moi, je t'attrape. Moi, je te mets un coup de tête. Moi, si t'es pas content, moi, je t'attrape, je te mets un coup de tête. Moi. Alors, me prends pas la tête, d'accord? Parce que si toi et moi, on se comprend pas, ben, on va se comprendre. Voilà comment ça se passe dans la vie, ok? Moi, je t'attrape. Moi, je te mets un coup de tête comme ça. Moi. Arrête de parler comme ça. Moi, je te mets un coup de tête, moi. Fais gaffe, hein, parce que lui, il va vous mettre un coup de tête. Hein. C'est vrai que dans la vie, il faut mettre des coups de tête à la gueule aux gens, sinon ça va pas. Hein. Hein, c'est vrai. Il y a des fois, je me dis. Il faut savoir être honnête envers soi-même. C'est vrai, quoi. C'est où qu'on a du talent ou on n'en a pas. Alors,
Comme il y a beaucoup de nanas qui m'ont réclamé mes vidéos, qui réclament mes vidéos parce qu'apparemment je les amuse, c'est bien beau de dire que vous regardez mes vidéos, mais est-ce que vous les regardez jusqu'au fond? Ouais, jusqu'au fond, jusqu'à la fin. Parce qu'au fond, j'ai pas été au fond de vous encore. Hein? Un jour, je dirai au fond de vous, il faudra qu'on discute à ce moment-là, mais est-ce que vos hommes derrière seront d'accord? Je pense pas. Non. Eh, ça va les gars, c'est bon, calmez-vous. Donc, mais je sais qu'au fond, quand je vois regarder mes vidéos, les femmes, vous mouillez. Je sais que je fais cet effet-là souvent aux femmes, surtout quand elles me regardent. Mais bon. Voilà, donc ça c'est une personne que vous connaissez qui pourrait éventuellement jouer plusieurs personnages. Bon, le mieux pour jouer un personnage réel, je pense que le naturel reste le meilleur. Ça sert à rien de se mettre des doigts dans le nez comme ça devant vous là, pour essayer de vous faire marrer, c'est pas ça qui vous fera marrer, c'est je pense que le mieux pour faire marrer, quoi, pour faire rire, on va dire, rire les gens, pour qu'il soit de bonne humeur toute la journée, c'est de rester une personne normale, comme je suis actuellement normal dans ma tête. Parce qu'il faut être un peu normal pour faire des vidéos devant vous, comme ça, non? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et alors tous les gens qui le font, eh ben, qui le font pas, eh ben, ils sont pas normaux. Mais tous les gens qui le font, ils sont normaux. Voilà comment ça se passe, une vidéo pour un casting. Donc si t'écris, si un mec qui fait des films, quoi, et que tu cherches un bon gars, je suis pas cher, hein, 10 000 euros par jour, ben tu vas sur ma page YouTube, et tu me crées un message, et puis on en discute, tranquille, t'as vu, tu vas sur mon mail, tac tac, salut, voilà. Mais tu restes dans la région, ce serait bien, quoi. Je vais pas aller à Paris là-bas pour faire du cinéma, quoi. C'est bon, quoi. J'y vais comment? Stop. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, bah, je vous fais confiance. Partagez si vous avez envie. Et puis, si, surtout, un petit message aux dernières minutes à toutes les nanas, soi-disant, qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin. J'aimerais qu'ils disent à la fin, dans les commentaires, oui, oui, oui! 6 fois oui, 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 pour me dire que tu as bien regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Voilà comment ça se passe. Merci à vous. Et puis, bah écoutez, c'est un casting, quoi. Donc, si je te plais, et c'est sérieux encore plus, ça, la connerie. Et si je te plais, bah, tu m'envoies un message. Et puis voilà. Allez, tchuss.